Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment je range tout mon maquillage chez moi. Dans ma dernière vidéo qui était un tri de mon make-up, je vous ai dit que je vous montrerais mon nouveau rangement maquillage. Donc j'ai enlevé énormément de choses dans mon maquillage et du coup voilà, je me suis dit que j'allais vous filmer mon rangement maquillage juste après. Si ça vous intéresse du coup, je vais vous montrer comment je range tout mon maquillage dans le meuble qui est juste derrière moi. Donc c'est ma coiffeuse, là où je me maquille à chaque fois que je veux me maquiller et là où je range la plupart de mon maquillage, enfin tout mon maquillage et quelques soins. Vous verrez, les soins pour le visage sont aussi rangés là et quelques produits pour le bain. Et petite précision, juste avant de commencer, je sais que j'ai énormément de maquillage, mais il y a des choses que j'ai depuis très très longtemps. Et voilà, la plupart de ce que j'ai dans mes tiroirs, c'est des produits que je compte utiliser, même s'il y a des très vieux produits. Je compte les utiliser, les terminer, etc. Donc voilà, je sais que j'en ai énormément, mais c'est pas trop le but de cette vidéo. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment j'ai organisé tout ça. Donc je vais tout vous montrer en détail, que ce soit le meuble en lui-même, toutes les choses qui sont posées dessus ou bien le contenu de tous les tiroirs. Et du coup, c'est parti, on commence tout de suite. Donc voilà une vue d'ensemble de ma coiffeuse. Je vais vous détailler un petit peu tout ce qu'il y a sur le dessus de la coiffeuse et ensuite on verra tout ce qu'il y a dans les tiroirs. Juste derrière la coiffeuse, on a un casier où on range tout ce qui est administratif. Donc ça a aucun rapport avec la coiffeuse, mais voilà, c'est le seul endroit où on a trouvé pour les mettre. Sur le dessus, j'ai posé deux boîtes dans lesquelles j'ai rangé tous mes produits pour le bain, enfin la plupart de mes produits pour le bain. Et juste à côté, on a un petit panier avec les accessoires pour les cheveux que j'ai. Donc ça va être le lisseur, le boucleur. Il doit y avoir le sèche-cheveux, mais qui en ce moment est dans la salle de bain. Et juste devant, on a 4 produits pour les cheveux que j'ai. Donc un shampoing sec, de la laque et 2 produits coiffants. C'est vraiment pas des produits que j'utilise très souvent. Le but, c'est de les terminer et de ne pas les racheter ensuite. Quand on commence sur la coiffeuse, tout à gauche, on a un petit rangement en métal et en bois qui venait de chez Action, que j'ai acheté il y a très longtemps. On peut le trouver aussi chez Stokomani, je crois, de temps en temps. Et voilà, dans pas mal de petits magasins de déco comme ça. Dessus, j'ai mis tout simplement de la déco. Donc ça, c'est pour mon fond de vidéo. Ça va être principalement des bougies. Alors, c'est des bougies que je change au fur et à mesure. Quand j'en utilise certaines, je vais les remplacer ensuite. À côté, j'ai posé 3 produits pour le bain que je veux terminer, qui sont des produits assez vieux que j'ai achetés il y a très longtemps. Donc voilà, ils sont là pour que je les termine. Ensuite, on a 2 boîtes dans lesquelles j'ai rangé mes pinceaux. J'avais cherché une autre solution pour les ranger, mais finalement, c'est très bien comme ça. Donc voilà, c'est rangé. Il y a une boîte pour les pinceaux pour le teint, une boîte pour les pinceaux pour les yeux. Et juste devant, j'ai une petite coupelle dans laquelle je range les vernis à ongles que je veux terminer aussi. Je laisse pas mal de produits que je veux terminer sur la coiffeuse, comme ça, c'est ceux que je vais utiliser en premier. Après, j'ai un tiroir entier de vernis que je vous montrerai, mais ceux que je veux terminer en priorité sont vraiment dans la petite coupelle là. Ensuite, j'ai le miroir que j'utilise pour me maquiller, qui est un miroir assez grand qui vient de chez Ikea. Je le trouve hyper pratique et comme c'est l'endroit où je me maquille, voilà, j'ai besoin d'un grand miroir. Et juste derrière, j'ai un petit rangement à étage qui vient de chez Casa, il me semble, mais qui a plusieurs années. Là-dedans, j'ai mis des produits pour le bain. Alors, j'ai changé il n'y a pas longtemps, il y avait d'autres produits pour le bain, d'autres choses. Donc, ça va être tous les produits qui ne sont pas rangés dans les boîtes que je vous ai montré en premier. Là, c'est vraiment aussi les plus vieux, ceux que je vais utiliser en premier. Après, comme je prends pas beaucoup de bain, c'est quand même très long à utiliser. Et ensuite, sur le côté de la coiffeuse, tout au fond, j'ai un petit plateau que ma soeur m'avait offert. C'est un plateau en bois dans lequel je range tous mes parfums et quelques produits pour le bain. Encore une fois, des produits qui sont liquides ou bien des petites perles de bain qui sont en flacon. Ensuite, juste devant, j'ai mis tous les rouges à lèvres que j'ai qui sont entamés. Donc, on a des rouges à lèvres liquides qui sont dans des petits rangements en plastique. Je vous mettrai les liens de tout ce que je trouve dans la barre d'infos. Et après, j'ai des petits portes rouges à lèvres. Ça, je crois que je les avais eus chez Lidl et il y en avait un que j'avais eu dans une box. Voilà, qui sont plus pour les rouges à lèvres en bâton. Et la dernière chose qui est sur le dessus de ma coiffeuse, c'est le maquillage que j'utilise tous les jours. Donc il y a 2 pots avec mes pinceaux. J'ai un pot avec les pinceaux pour le teint et un pot avec les pinceaux pour les yeux, donc que j'utilise en ce moment. Et ensuite, j'ai mis une boîte avec tout le maquillage que j'utilise tous les jours. Donc ça va être du maquillage que je fais tourner. Je vous avais montré ça dans une dernière vidéo, mais voilà, il y a certains produits que je mets jusqu'à ce que je les termine et il y a certains produits que je change assez souvent, par exemple toutes les semaines. Ça va être le blush, l'highlighter, la palette, voilà, je change quand même assez souvent, mais c'est pour faire un roulement et du coup, je vais utiliser quasiment que les produits là pendant un certain temps. Et ensuite, au mur, j'ai des petites décos. Donc j'ai tout au fond un cadre que j'avais trouvé chez Nose avec une petite plume dedans. C'est une déco qui est là depuis super longtemps et je la trouve encore très jolie, donc je la laisse. En dessous, j'ai un petit tableau que j'avais fait dans une vidéo DIY. Voilà, il est très très vieux et il faudrait que je le jette celui-ci parce que le chat a fait ses griffes dans le tableau. Donc là, il est vraiment horrible, donc je pense qu'il va partir bientôt.
Et sinon, plus sur la droite de la coiffeuse, j'ai des petites étagères en fait que j'avais trouvées chez Action, où j'ai mis des petites décos dedans. Ça, c'est pareil pour mon fond de vidéo, c'est des choses qui bougent de temps en temps aussi. Et sur le mur à côté, j'ai aussi accroché trois petits ronds comme ça en espèce d'éventail. Ça, c'est des décos que j'avais il y a super longtemps. Et en fait, comme je les ai accrochés, je peux plus les détacher en fait. Au lieu de les jeter, je me suis dit que j'allais les mettre là, mais on les voit jamais dans les vidéos. Mais voilà, je trouve que ça fait une petite déco sur ce mur orange que je n'aime pas tellement. Et du coup, pour vous montrer une vue d'ensemble, donc voilà à quoi ressemble ma coiffeuse. C'est deux meubles à caissons qui viennent de chez Ikea. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Mais c'est des meubles très très connus pour le rangement du maquillage. Et au-dessus, en fait, j'ai mis une planche pareil qu'on trouve chez Ikea, que j'ai acheté toute seule. Et je trouve ça hyper pratique. C'est vraiment un rangement qui me convient tout à fait. Et je voulais trop avoir ce rangement-là. En dessous de la coiffeuse, vous voyez qu'il n'y a pas tellement de place pour mettre les jambes. Souvent, je me maquille avec les jambes en tailleur, en fait, sur ma chaise. Parce que j'ai mis pas mal de choses en dessous, donc voilà, c'est un petit peu le bazar. En gros, on va avoir pas mal de choses pour les loisirs créatifs, donc j'ai deux petits meubles à caissons en fait en plastique, où je range ouais, des trucs de loisirs créatifs. J'ai une grosse boîte noire qui vient de chez Ikea, où pareil, il y a tous mes blocs de papier de chez Action. Et ensuite j'ai quelques petits bazars, j'ai un sac avec des sachets à l'intérieur, une multiprise que j'utilise quand je filme, et après j'ai tous mes produits terminés. Donc voilà, c'est trié par sac en fonction de ce que c'est comme type de produit terminé, et j'ai aussi une petite poubelle à côté. Et c'est parti, on va commencer par la colonne de gauche, donc quand on regarde le meuble. Donc dans le premier tiroir, en premier pour organiser ça, j'ai pris des rangements à couvert chez Ikea toujours. C'est des rangements qui rentrent pile dans les tiroirs. Alors j'en ai pris que pour les petits tiroirs parce que pour les grands du coup on perd en hauteur, donc j'ai trouvé un autre système. Le tout premier tiroir du coup ça va concerner les produits pour le teint qui sont déjà commencés. Donc tout au fond là dans le grand bac ici ça va être plus des produits que je veux terminer en priorité. Donc c'est quand même pas mal mélangé. Juste à côté ça va être tout ce qui concerne le fond de teint, la base, les anti-cernes, les choses comme ça. Voilà, j'ai pas énormément de choses non plus, mais la plupart c'est des produits qui sont entamés et quasiment finis. Ensuite juste ici on a tout ce qui est poudre pour le visage, donc voilà toutes les poudres que j'ai entamées en ce moment. Et j'ai mis un petit spray fixateur pour le maquillage que j'ai entamé aussi en ce moment, mais qui n'est pas celui que j'utilise là maintenant. Ensuite au milieu on va avoir tous les blushs, alors j'en ai quand même pas mal mais il y en a beaucoup qui sont assez vieux et que je voudrais terminer. J'ai des vieux blushs comme ça de chez Agnès B, ça pareil c'est encore un Agnès B, celui-ci un Physicienne Formula que j'ai depuis super longtemps. Donc voilà, il y a des trucs que j'ai depuis très longtemps et que j'aimerais bien terminer donc je les garde. Mais il y en a qui sont quand même bien entamés. Et juste ici ça va être tout ce qui est bronzer et highlighter, encore une fois ceux qui sont commencés ou bien que je voudrais bien tester dans pas trop longtemps. Donc j'ai mes bronzers qui sont juste là, j'en ai pas énormément et voilà, il y en a certains qui sont quand même bien entamés. Et ensuite tout ce qui va être highlight, donc il y en a des très vieux, il y en a des moins vieux et il y en a certains qui sont par exemple les liquides que je voudrais bien tester. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses, hein. Vous verrez que je ne manque de rien du tout. Dans le deuxième tiroir ça va être tout ce qui concerne les yeux, donc encore une fois j'ai pris un petit rangement à couvert de chez Ikea. Et là du coup j'ai rangé tout ce qui concerne les yeux qui est ouvert en ce moment. Dans le casier du fond c'est encore une fois les trucs que je voudrais terminer en priorité. Donc il y a par exemple des ombres liquides qui vont finir par se perdre donc je voudrais les utiliser. Des liners que je vais utiliser en ombre à paupières, il y a un petit produit pour les sourcils. Enfin voilà vraiment pas mal de vieux trucs entre guillemets. J'ai ici une petite éponge de nettoyage pour les pinceaux. Alors ça c'est pas du tout vieux mais je l'utilise assez souvent. Donc voilà je l'ai rangé là, c'est tout simplement pour enlever la poudre qui est sur les pinceaux. Juste à côté j'ai tous les produits pour les sourcils. Donc il y en a certains que j'ai utilisés une ou deux fois, d'autres que j'ai pas encore testé. Et j'ai du backup de certains produits. Voilà en ce moment en fait pour les sourcils j'utilise toujours le même crayon. Donc ça c'est vraiment tout du backup. Juste devant on va avoir toutes les ombres à paupières. Donc j'ai des ombres que j'ai pas encore testé, qui était dans des calendriers de l'avant cette année par exemple. Donc voilà, tout ce qui va être ombre classique. J'ai aussi des ombres en poudre libre. Voilà, j'ai vraiment pas mal de trucs. Des vieux trucs aussi que j'essaye de terminer. J'ai des petites paillettes comme ça pour les yeux. Voilà, ça aussi ça va être des petites paillettes libres, etc. Ça c'est vraiment pas un endroit où je vais très souvent parce que je préfère utiliser des palettes où il y a absolument tout dans la même palette. Et du coup voilà les petites ombres individuelles comme ça je les utilise vraiment pas souvent. Juste à côté on va avoir tout ce qui est crayon pour les yeux et les ombres liquides. Donc là j'en ai pareil que je voudrais utiliser assez rapidement. Et voilà j'en ai qui sont toutes neuves qu'il faut que je teste.
J'ai des crayons pour les yeux, ça j'en ai énormément, et des espèces de jumbo aussi pour les paupières. Et dans le dernier casier, c'est tout ce qui va être base à paupières et les mascaras. Donc là j'en ai par exemple un en backup qui est tout neuf, c'est ma base pour les cils. Après j'ai des petits mascaras qui sont ouverts, j'en ai qui sont neufs, qui sont à tester, et quelques bases pour les paupières ou bien de la colle pour les paillettes. On passe au troisième tiroir. Alors là on arrive sur les tiroirs qui sont un petit peu plus profonds, plus hauts que les autres. Donc là, dans celui-ci, j'ai rangé toutes les palettes pour les yeux. Pareil, j'ai fait un tri et du coup, là, elles sont toutes là. Alors, il y en a quelques-unes que j'ai pas encore testées qui sont juste ici. Donc, j'en ai encore 4 à tester. Et après, tout ça, c'est des palettes que j'ai déjà testées. Elles n'ont pas tellement d'ordre. En fait, je les ai classées plus par marque, on va dire. Donc, voilà, j'ai du Zoeva, Urban Decay qui est ici. Là, j'ai une Anastasia. Je vais pas tout vous montrer en détail, mais voilà, j'ai un petit peu de tout. J'ai des palettes Tarte ici que j'aime beaucoup. Ça c'est une des premières palettes que j'avais achetées, que je garde parce que finalement je l'aime plutôt bien. Et voilà, derrière là c'est plutôt les petites palettes que je vais emmener par exemple en voyage. Et juste derrière dans le fond on va avoir tout ce qui est fossiles et petites décos en fait. Donc ça c'est des trucs que je n'utilise absolument jamais mais que voilà j'ai quand même dans les tiroirs. Donc j'ai des fossiles comme ça de chez Action, j'ai plusieurs paquets. Et j'ai des petites décos comme ça pour faire des make-up de festival ou des choses comme ça que j'ai acheté l'an dernier mais que j'utiliserai je pense cette année pour vous faire un maquillage en été. Ensuite dans le quatrième tiroir, pareil celui-ci il est un petit peu plus profond. Je vous ai pas dit dans l'autre, j'utilise des couvercles et des box en fait de box beauté pour organiser tout ça. Donc là j'ai rangé principalement les palettes pour le teint, j'en ai beaucoup moins que des palettes pour les yeux donc ça prenait pas tout le tiroir. Et du coup dans le reste du tiroir j'ai rangé tout ce qui est produit pour le teint d'avance. Donc voilà ça va être une boîte avec tout ce qui est poudre d'avance, donc blush, bronzer, poudre classique etc. Et derrière c'est tous les produits liquides que j'ai d'avance. Donc j'ai par exemple un spray fixateur, j'ai tout ce qui est fond de teint, base etc. d'avance. Voilà je ne mélange pas les produits qui sont encore neufs et les produits qui sont déjà ouverts pour utiliser ceux qui sont ouverts en priorité. Et comme vous voyez, j'ai beaucoup de produits d'avance. Et enfin, dans le dernier tiroir, ça va être tout ce qui concerne les ongles. Donc encore une fois, j'ai rangé dans des couvercles de box pour pas trop que ça bouge. Et du coup, juste devant là, j'ai mis tous mes vernis de couleur. Donc à chaque fois, j'ai mis une petite pastille avec la couleur. C'est plus simple en fait pour s'y retrouver puisqu'il y en a certains qu'on n'arrive pas trop à repérer. Et j'ai essayé de ranger par couleur. Donc on a tout ce qui est couleur chaude plus ici et les couleurs froides plus là. Sur le côté ça va être tous des vernis neufs que j'ai pas encore utilisé donc je les garde là pour utiliser ceux-là en priorité. Là c'est une petite boîte avec des vernis que j'avais reçus de la part de la marque Mavala. J'en ai déjà testé quelques-uns mais voilà je les garde dans la boîte parce que je trouve ça joli comme ça. Juste en dessous j'ai un petit rangement comme ça en tissu dans lequel j'ai rangé tous les produits pour les ongles, tout ce qui est lime à ongles etc. Et aussi un petit baume pour les cuticules. Derrière on va avoir tout ce qui est vernis à paillettes donc j'en ai enlevé quand même pas mal mais j'en ai gardé quelques-uns. Et j'ai aussi certains vernis neufs qui sont ici et des vernis un petit peu à effet gel qui fonctionnent ensemble que j'ai rangé là. Donc voilà j'ai ceux de Sally Hansen et ceux de Revlon et à chaque fois derrière j'ai la couleur qui correspond, qui va avec en gros. Et là j'ai quelques paires de faux ongles que je ne mets absolument jamais. Et tout derrière je pense que vous verrez pas mais c'est tout ce qui est déco pour les ongles. Donc j'ai quelques petites paillettes et j'ai des éponges comme ça pour faire des dégradés. J'ai essayé ça une fois, c'était pas ouf, donc voilà, je sais pas si je vais m'en resservir. Mais j'ai encore des vernis neufs là-bas et ensuite c'est ouais, tout ce qui va être petite déco pour les ongles. Et maintenant on va passer à la deuxième tour. Donc dans le premier tiroir j'ai encore une fois mis un rangement à couvert de chez Ikea. Et donc là ça va être tous les produits pour les lèvres que je n'ai pas encore commencé ou bien que j'ai juste swatché une fois. Donc j'en ai énormément comme vous voyez. Là dans le grand rangement ça va être plus des coffrets et des trucs que j'ai encore dans les packagings en fait, ou bien des choses que j'ai utilisées quelques fois mais que j'ai pas trop de place de ranger ailleurs. Là ça va être tout ce qui est rouge à lèvres liquide mat. Au milieu c'est plus tous les rouges à lèvres en bâton, donc assez classique, et quelques baumes à lèvres que j'ai d'avance. Ensuite là c'est plus tout ce qui va être gloss. Et voilà j'ai ça qui devrait être là. Il y a quelques trucs qui sont un peu mal rangés mais voilà là c'est plus les gloss. Et juste derrière ça va être tous les crayons à lèvres et quelques petits baumes comme ça en fait, des crayons jumbo. Alors les crayons à lèvres il y en a certains que j'utilise assez souvent mais je sais pas où les ranger ailleurs donc pour le moment ils sont là. Dans le deuxième tiroir ça va être plus tout ce qui concerne les accessoires, donc quelques trucs pour les cheveux, des bijoux et tout. En premier j'ai mon arbre de séchage pour les pinceaux que voilà que je range là, il est assez plat et ça rentre tout pile dans le tiroir.
Et ensuite, juste derrière, là, dans le grand rangement, c'est plus des choses pour partir en voyage. Donc, des petits pinceaux de voyage, des petites pochettes comme ça pour ranger les pinceaux, un pilulier que je n'utilise jamais, mais que je garde quand même au cas où. Ensuite, ici, ça va être plus pour les cheveux. Donc, j'ai des élastiques, des pinces, des choses comme ça. Là, pareil, encore une fois, des pinces, des petites barrettes, encore un élastique. Et ici, c'est des échantillons de parfum qu'une abonnée m'avait donné. Donc voilà, je compte les utiliser un jour, donc je les garde juste là. À côté, c'est quelques bijoux. Donc j'ai ma montre que j'utilise tous les jours qui est là. Ça, c'est un bijou que mon chéri m'avait offert pour Noël une fois. Donc voilà, une petite chaîne que je mets assez souvent. Et ça, c'est encore des bijoux, des choses comme ça. Et juste derrière ici, j'ai ma réserve d'éponge pour le teint. Donc j'en ai une qui est dans ma boîte de maquillage, toujours sur mon bureau. C'est celle que j'utilise tous les jours. Et juste ici, j'ai la réserve donc pour quand elle sera fichue. Voilà, je viendrai piocher là-dedans. J'en ai des mini comme ça pour faire le contour des yeux. Et j'en ai des plus grosses pour faire le visage entier. Dans le troisième tiroir, là, on arrive plus sur les soins visage. Donc je les ai rangés plutôt ici. Là, ça va être tout ce qui est masque pour le visage. Donc j'ai mis dans le casier au fond ceux qui sont donc en tube comme ça que j'ai pas encore utilisé. Donc comme vous voyez, j'ai encore du stock. Il y en a un là qui est en pot que pareil qui est neuf. Ensuite ici ça va être plus les masques qui sont entamés. Donc juste dessus j'ai posé deux masques comme ça qui prennent pas mal de place, qui sont des masques en tissu, en espèce de tissu. Et en dessous ça va être tout ce qui est masque déjà commencé. Donc de ce côté-là, dans ce couvercle-là, c'est plus les masques hydratants, apaisants, etc. pour le visage. Et juste là devant, ça va être les masques un petit peu plus purifiants. Donc ce que j'ai en majorité en fait. Voilà, j'ai eu plein de masques qui sont commencés. J'ai aussi un petit gant comme ça, exfoliant pour le corps que j'utilise pas particulièrement mais qui est là. J'ai d'autres choses comme ça, des masques en unidose, etc. Et oui, la plupart ça va être des masques comme ça en tube qui sont à peu près tous entamés. L'avant-dernier tiroir, c'est le tiroir le plus rempli de ma coiffeuse et c'est celui que je voudrais le plus vider. Il y a énormément de produits dedans et vraiment c'est des produits sur lesquels je suis très faible, donc que j'achète très souvent et que j'utilise pas tant que ça au final. Donc ça va être la plupart des masques pour le visage. Donc j'ai énormément de masques en espèce de tissu, de choses comme ça. Ici dans le premier compartiment, ça va être des masques de plein de marques, donc qui sont vraiment des masques en tissu pour tout le visage. Juste derrière là, ça va être tous les masques de chez Action. Donc j'en ai vraiment pas mal. Voilà, c'est des qui font tout le visage ou bien des patchs pour le nez, des choses comme ça. Ensuite, j'ai ici tous les masques pour les yeux. Donc j'ai ceux de chez Action que j'aime beaucoup, mais j'en ai aussi de pas mal d'autres marques. Et j'ai aussi quelques masques pour les pieds, masques pour les mains, des trucs comme ça. Et juste devant là, c'est encore d'autres masques. Donc j'ai des petits coffrets comme ça de chez Action. Et devant, c'est des masques, encore une fois, de chez Action qui sont principalement en boîte en fait. Donc avec plusieurs doses à l'intérieur. Et sur le devant, là, ça va être tous des produits pour le bain. Donc en premier, j'ai les petits galets comme ça de chez Action avec les schtroumpfs. Mais j'ai aussi pas mal de sachets comme ça. Donc ça va être des petits sels pour le bain, des petites perles pour le bain, des trucs comme ça. C'est pareil, des trucs que je devrais plus utiliser. Et que j'essaye de ne plus trop acheter maintenant parce que ça fait vraiment énormément de stock et je les utilise pas tant que ça. Et enfin, le dernier tiroir, c'est le tiroir avec d'autres trucs qui concernent pas forcément le maquillage. Donc dedans j'ai un petit peu de tout. En premier on a tout ce qui va être pharmacie, un peu notre armoire à pharmacie. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a des trucs pour le chat qui a été malade il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est le reste des médicaments pour le chat. En dessous on a les trucs basiques genre paracétamol, du produit pour les yeux. J'ai un petit roll-on comme ça pour la migraine que ma maman m'a donné. J'ai des trucs pour quand on est malade en fait, pour le torse, pour respirer. Un petit baume pour les piqûres de moustiques en été. Des pansements, là aussi c'est des pansements avec de la gaze pour nettoyer quand on se coupe, des choses comme ça. On a des petites inhalations pour quand on est malade, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Ensuite j'ai une petite chaufferette comme ça pour les mains que ma soeur m'a donnée dans notre swap, que j'ai toujours pas eu l'occasion de tester d'ailleurs, mais voilà, elle est là et je la testerai bientôt. Juste en dessous j'ai une petite trousse de secours comme ça de voyage qui est super pratique, que j'ai achetée sur un site, une parapharmacie en ligne je pense il y a 1 ou 2 ans. Et je trouve ça hyper pratique quand on part par exemple en vacances, en randonnée, des choses comme ça peut vraiment servir.
À l'intérieur, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, il y a du désinfectant, des pansements, des bandes de gaz, des choses comme ça. Je crois qu'il y a aussi une petite couverture de survie. Enfin, vraiment, il y a vraiment pas mal de choses et c'est vraiment l'essentiel si jamais on se blesse. Et après, je vais avoir des choses qui servent un peu à rien mais que j'aime bien garder quand même. Il y a certaines boîtes de palettes comme ça que je trouve trop belles donc que je garde. Alors j'ai trié, j'en ai enlevé quelques-unes, mais voilà, il y en a quelques-unes que je garde parce que je les trouve trop trop belles. Il y a notamment la boîte de l'highlighter de Sananas avec Becca. Ça c'était une édition limitée, on pourra plus jamais le trouver. Donc voilà, je garde la boîte parce que je la trouve trop trop belle. Ensuite j'ai des petits rouleaux de scotch en fait, enfin d'adhésif comme ça pour enlever les poils sur les vêtements. J'en ai un de voyage et un classique avec la recharge. Et juste là j'ai des boîtes à bijoux. Alors j'ai mon coffret pour mettre mes montres. Donc je vous ai montré plus haut que j'avais la montre que je mets tous les jours qui est ailleurs. Mais voilà, là j'ai les autres montres qui sont rangées dedans. Et ici j'ai une petite boîte à bijoux où je range mes bagues et quelques bracelets aussi. Le reste des bijoux est ailleurs. Il n'est pas dans la coiffeuse parce que j'avais pas la place, c'est rangé dans des grands casiers en fait pour mettre les bijoux, donc ça rentrait pas du tout ici. Et du coup c'est à peu près tout ce qu'il y a dans ce tiroir là. C'est, on va dire, le tiroir le plus utile parce qu'il y a la pharmacie, mais voilà, c'est quand même un petit peu désorganisé vu qu'il y a un petit peu de tout. Forcément c'est le dernier tiroir, donc c'est là où j'ai mis un petit peu tout ce qui me passait sous la main. Donc voilà pour cette mise à jour sur mon rangement maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner et aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.